Il nous arrive de Toulouse, notre 8e artiste, il s'agit de Caruso. Bonsoir. Grand garçon, petite guitare. Et grande chaussure aussi. Il est auteur, compositeur. Monsieur a le nez creux. C'est ce qu'on va dire en coulisses aussi. Il a fait la Nouvelle Star 2016. Oui. Il a notamment chanté une reprise de Booba. Oui. Qui a même été apprécié par Joey Star, alors qu'on m'a dit que c'était pas forcément le meilleur. Ouais, ils sont un petit peu en bruit, ouais. Ouais, c'est un peu compliqué. Le rapport, c'est un petit désamour. C'est pas qu'une histoire de pizza cette fois-ci. En attendant, vous êtes ici à Tarbes pour nous chanter deux chansons, et notamment une un peu prétentieuse. Ouais. Je suis l'amour. Ouais. À vous tout seul. Bah, j'essaye. C'est ce qu'on va voir. Avec Caruso. Merci. Et donc, c'est vrai que, effectivement, cette chanson, Je suis l'amour, c'est pas tellement de la prétention, en fait. En réalité, c'est plus que j'écris quasiment exclusivement des chansons d'amour. Et donc, j'aime bien prévenir les gens qu'en fait, voilà, ceux qui n'aiment pas l'amour trouvent le temps long, en général, avec moi. Par contre, ceux qui aiment ça, en général, on s'entend plutôt bien. Et voilà, j'aurais adoré écrire des chansons engagées, où, vous voyez, genre, j'aime les causes à défendre et tout, mais je fais partie de toutes les majorités, donc c'est un peu compliqué. Moi, je me suis mis à l'amour. Donc cette chanson, c'est Je suis là. Celui qui dure toujours et qui s'en va à chaque fois. Je suis le monde à mes genoux, à chaque seconde. Je suis à vous, je suis l'amour. Vache, je suis l'amour fou, celui de vie qui fâche quand il s'en va à chaque fois. Tu vois, je ne pense plus à toi, je t'oublie, non plus tout. Enfin, je crois, j'ai choisi. Je suis l'amour propre, celui au fond de soi, celui qu'on aime et qui meurt un peu plus à chaque fois. Je suis l'amour qu'on veut tous les soirs, celui qu'on rêve, celui qu'on croit. Je suis l'amour qu'on serre contre soi dans le noir tous les jours quand la nuit il fait froid. Viens, on se fait la peine, hey, avec toi. Viens ma belle, on finit pas trop tard, j'ai de l'alcool pour ce soir. Hey, avec toi, toi ma belle, on reprend tous les parts si on recolle notre histoire. Paya papa ya papa papa, paya papa ya papa, viens ma belle, paya papa ya papa papa, paya papa ya papa, viens ma
ma belle, je ne suis pas l'exploit, je ne suis pas la bonne pioche, je ne suis pas à droite, je ne suis pas un peu gauche, je suis l'amour transi, celui qu'on n'attendait pas. Je suis l'amour infini, mais qui s'en va de chaque fois. Tu vois, je ne pense plus à toi, tu t'oublies, non plus du tout. Enfin, des fois, je revis, je suis l'amour brûlant, je suis l'amour à trois. L'amour d'une nuit, le gênant, mais qui s'en va à chaque fois. Je suis l'amour parfait, celui qu'on vit, celui qu'on est. Je suis l'amour aveugle, perdu, passionné, qui ment quand toujours on promet. Viens, on se fait belle, hey, avec toi. Viens, ma belle, on finira pas trop tard. J'ai l'alcool pour ce soir. Hey, avec toi, toi, ma belle. On reprend tout du départ si on colle notre histoire. Baya papa ya papa pa baya papa ya papa. Viens ma belle. Baya papa ya papa pa baya papa ya papa. Viens ma belle. Je suis l'amour d'une fois, l'amour brisé. Je suis l'amour profond, l'amour immense. Je suis l'amour libre, l'amour constant. Je suis le grand, je suis l'amour qu'on reverra pas. Alors viens, on se fait la belle avec toi. Viens ma belle, on finira pas trop tard. J'ai de l'alcool pour ce soir. Hey, avec toi, toi ma belle. On reprend tout du départ si on recolle notre histoire. Hey, avec toi, toi ma belle. On finira pas trop tard. J'ai de l'alcool pour ce soir. Hey, avec toi, toi ma belle. On reprend tout du départ si on recolle. Parce que je suis aussi un peu le noir, l'amour est toujours un peu dans le noir. C'est toujours un petit moment. Alors, sur la prochaine chanson, en fait, j'ai, avant de terminer, puisque bien sûr c'est la deuxième, c'est la dernière, c'est la règle du jeu, j'aimerais remercier tous les gens qui, de près ou de loin, font que cet événement existe, parce que c'est très important en France qu'il y ait des événements comme celui-ci. Donc merci à eux, bravo à eux. Merci aussi à vous. De près ou de loin, parce que vraiment, je sais pas, beaucoup de monde autour de vous, c'est que j'aimerais remercier aussi les candidats avec qui je me suis très bien entendu. Je suis très fier de faire partie de cette sélection et je vous remercie aussi de m'écouter. Et je vous remercie aussi de participer à la prochaine chanson avec moi. Et oui, parce que c'est votre rôle aussi. Parce que j'ai pas de choriste, vous voyez, je suis tout seul. Et j'ai besoin de vous pour faire les chœurs. Vous êtes des bons choristes, les tarbets ? Oh, bah, j'espère, et oh. Est-ce que vous savez faire, par exemple, Oh ! Ok, est-ce que vous savez faire la 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 la. Vous pouvez faire n'importe quoi, oui, si on peut. D'accord. Non, vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est une chanson qui s'appelle Tu vas me manquer. Et, alors, vous allez voir, c'est très 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 simple, vous allez voir. Autour de toi, tu vas me manquer souvent.
vas manquer. Pourtant, tu me quitteras en passant par les rues qui t'éloignent de moi. Et pour la dernière fois, je verrai ton petit cul. Quand tu me quitteras sans te retourner, t'imagineras pas que tu vas me manquer. Padam pam, padam pam pam, padam pam. Avec moi. Certains soirs d'hiver, quand ma peau fatiguée cherchera la tienne, tu vas me manquer sous mes faux airs de gamin échaudé, de peur qu'on y reprenne. Tu vas me manquer plus fort à chaque fois que je t'imaginerai nu. Tu vas me manquer même si je veux pas, même si j'y pense plus. Tu vas me manquer souvent. Tu vas me manquer, pourtant tu me quitteras en passant par les rues qui t'éloignent de moi. Et pour la dernière fois, je verrai ton petit cul. Quand tu me quitteras sans te retourner, t'imagineras pas que tu vas me manquer. Padam pam, padam pam, padam pam. Plus fort. Pourtant, tu me quitteras en passant par les rues qui t'éloignent de moi. Et pour la dernière fois, je verrai ton petit cul. Quand tu me quitteras sans te retourner, t'imagineras pas que tu vas me manquer. Ba-da-bam, 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 tu vas me manquer pas. Avec moi. Plus fort que ça, s'il vous plaît, pour suivre, au revoir. Merci Caruso. Alors on continue nos découvertes des artistes d'Épique d'Or, vous le savez, c'est la petite cellule de débrief. Je me retrouve avec Caruso, qui ne vous est pas inconnu d'ailleurs, je crois que c'est le visage le plus connu de la sélection de cette année. Pourquoi, j'ai envie de te dire, parce que les gens ont pu te découvrir dans La Nouvelle Star, tu ne pourras pas y échapper, donc voilà. Du moment, hein. Ouais. Justement, tu considères que ça te porte préjudice ou c'est un atout ? Oh non, pas du tout. Franchement, ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est juste c'est une période de vie. Ça appartient à ce que j'ai fait, à ce que je... voilà. En plus, je viens juste de faire, donc c'est tout à fait normal qu'on en parle. Et puis en plus, j'ai pas du tout honte. Au contraire, j'adore cette émission. J'adore ce que j'y ai vécu. J'ai aimé vraiment les gens. Donc j'ai vraiment rien à cacher et pas du tout honte de tout ça. Donc ça me dérange pas du tout qu'on en parle. Et ce que tu as fait aussi, parce qu'on se rappelle des prestations que tu as pu faire. Alors, j'ai noté que Élodie Frégé t'avait dit que tu lui donnais envie d'être heureuse. Je crois que tu as donné envie d'être heureux à quelques personnes quand même sur les deux jours là. Alors moi j'aurais voulu savoir, parce que comme je suis enfermé ici, j'ai vu ta prestation d'hier, j'ai pas vu les deux titres que tu as proposé ce soir, donc qu'est-ce que c'était ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'origine de ces titres ? Ouais, alors ce soir j'ai chanté deux chansons en fait, donc comme tout le monde de toute façon, mais la première c'est Je suis l'amour et la deuxième c'est Tu vas me manquer. Ce qui est un petit peu particulier pour moi, c'est qu'en fait ces deux chansons dans mon set entier, c'est l'intro et la sortie du concert. Donc en fait c'est la première et la dernière chanson et voilà, donc je me suis dit que j'allais faire ça. Après c'est un exercice très très particulier de chanter deux chansons ou un seul morceau. D'ailleurs hier vraiment j'ai trouvé ça très particulier. C'est même pire hier, non, parce qu'il faut rentrer vite et enfin voilà, choper le public et après on sort, c'est fini. Ah ouais, hier c'était terrible. En plus j'avais dormi 2 heures, j'en pouvais plus, j'étais fracassé, c'était trop dur. Franchement c'est trop dur, c'est un exercice assez difficile quoi, vraiment. Et même là, hein, deux chansons ça va un petit peu mieux, parce que je veux dire c'est vrai que deux c'est toujours
mieux qu'une. C'est quand même deux fois plus, hein, je veux dire, je suis bon au maths. Ouais, mais voilà, non, c'est vrai que c'est un exercice qui est quand même un peu compliqué, quoi. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué. Parce qu'on est quand même vraiment à froid, pour nous c'est quand même très difficile. Je trouve que dans... on n'est pas, du coup on n'a pas le temps de s'habituer à la scène, on a le temps de s'habituer à rien en fait. Donc en fait, interpréter vraiment des chansons, c'est quand même compliqué, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce soir faire la première chanson du concert, parce que sur cette chanson j'ai une petite intro à la guitare. Alors bon, du coup, j'étais pas très concentré parce que j'étais en train de boire des coups deux minutes avant, mais par contre... Voilà, ça vous en apprenez sur les coulisses des Pics d'Or, voilà. Non mais du coup, voilà, du coup, ça fait que bon, bah, j'étais peut-être pas au top de la technique. Et hier aussi, parce qu'on se rappelle que on t'attendait sur scène, on savait pas où tu étais, maintenant on sait. Mais ceci reste entre nous. Non mais voilà, et du coup c'est vrai que bon, déjà j'étais pas tout à fait prêt, enfin pas très dedans au début, mais ça m'a quand même permis de me centrer un petit peu, cette histoire d'intro à la guitare, parce qu'au moins tu t'habitues un petit peu à l'endroit, à l'énergie qui se dégage, etc. Donc c'est toujours un peu mieux que de démarrer directement à chanter alors que tu vois, tu te réveilles quasiment, quoi. Enfin c'est compliqué quand même. J'imagine. Alors, si les gens ont aimé ce que tu as présenté, je rappelle, ou je vous apprends, que vous pouvez retrouver Caruso sur ton EP qui s'appelle Face B. Alors, ouais, bon, j'ai un EP. En fait, c'est un EP qui n'est pas commercialisé. Donc, en fait, les chansons sont juste sur les... Sur ton réseau. Ouais, sur Internet. Les musiques sont sur SoundCloud. Et il y a... j'ai une chaîne YouTube aussi où il y a pas mal de vidéos. Maintenant, bon, c'est un EP que j'ai sorti il y a un an, à la base, vraiment juste pour démarcher les maisons de disques. Et donc, du coup, c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne l'ai pas commercialisé, rien. Maintenant, d'ailleurs, même là, quand je fais des concerts et tout, je le vends même pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment juste. Et c'est dommage, parce que moi, j'ai écouté et j'ai un titre préféré, c'est L'amour dans un geste, qui est un duo d'ailleurs. Ouais. D'où ça vient? Parce que en fait, dans le refrain, tu dis "Dis-moi que tu m'aimes" sur la bouche, et je trouve cette phrase magnifique. Ouais, parce, en fait, ça vient de cette chanson. Ça, moi, j'aime bien l'idée qu'on démontre les choses. Je suis quelqu'un de très expressif, moi, dans la vie. D'ailleurs, je le suis aussi. Enfin, j'ai cette lettre en tout cas sur scène, je suis très proche de ce qu'on peut voir de moi sur scène, je suis vraiment ça dans la vraie vie. Ah bah voilà. Un message, et alors c'est peut-être un message du jury, on ne sait pas. Je ne dis pas. et voilà, en gros c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée qu'on démontre les choses, moi j'aime pas les choses qu'on doit deviner, même dans les relations amoureuses, je sais que voilà, j'essaye d'exprimer les choses parce que je trouve ça dommage de les garder pour soi. Et l'amour dans un geste, c'est vraiment l'apologie du baiser, quoi. C'est ça. Effectivement, dis-moi que tu m'aimes sur la bouche, montre-moi que tu m'aimes plus que me le dire, en fait. Et, je trouve ça fort. En fait, ça vient. C'est une phrase de Charlie Chaplin qui m'a beaucoup inspiré. Bah, je fais du théâtre aussi, donc j'allais parler sur scène. Effectivement, il y a tout un aspect théâtral. Et attention, comme on est dans le théâtre, je vais me mouvoir parce que je me rends compte qu'on ne te voit que de profil et c'est dommage. Et de cette manière, regardez la magie du cinéma. J'ai envie de dire. On te découvre complètement de face. Donc oui, il y a un aspect théâtral aussi dans ce que tu présentes. Bah bon, sur deux chansons, je sais pas si tu l'as bien vu, mais effectivement. Non, mais dans le personnage, ouais, ça se voit. Bien sûr. Bah parce que c'est vrai que ça fait partie de moi. Puis j'adore cet art, vraiment l'art dramatique, en fait. Je trouve ça magnifique. J'adore autant la musique que le théâtre. Et donc tout ça pour dire que Charlie Chaplin avait dit une phrase vraiment géniale. Il avait dit au cinéma, on n'aime pas, on embrasse. Et je trouve ça super bien, parce qu'en fait, même dans la vie, il faut arrêter d'aimer, il faut embrasser aussi, c'est vachement... Alors, je rebondis sur ça, ouais, c'est hyper beau. Je rebondis sur cet aspect théâtral, parce que je me rappelle que pour revenir à La Nouvelle Star, c'est ce que Sinclair t'avait reproché quelque part, où il t'avait dit, il me semble de mémoire, d'être un peu plus chanteur et moins théâtreux, quoi. Au tout début, il avait dit ça. Oui, au casting. Au premier casting, c'est vrai, il avait dit ça. Ouais, c'est vrai. Et c'est quelque chose que tu as travaillé, ou au contraire, c'est quelque chose que tu préfères garder parce que ça fait partie de ton personnage? Non, ce qu'il y a, c'est qu'après, je lui ai pété la gueule. Donc voilà. Du coup, il a forcément, tu vois, il a arrêté de le dire. Mais, c'est une solution. En fait, ce qu'il y a, c'est que je contrôle pas. Enfin, c'est ce que après, en fait, il s'en est rendu compte bien après, mais en répète. Oui, que ce n'était pas surfait, mais que ça faisait partie de toi. En fait, c'est même pas maîtrisé, en fait. Voilà, c'est un truc d'ailleurs qu'il faudrait que j'apprenne à canaliser avec le temps, parce que en fait, je maîtrise rien. Et du coup, par exemple, d'ailleurs, dans l'émission, c'était particulier parce que dans les répétitions, je pouvais pas entraîner quelque chose pour le direct parce qu'en fait, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et du coup, je faisais un truc, c'était jamais la même chose, et au live, c'était encore pas la même chose. C'est jamais pareil, quoi. Et en fait, je sais pas faire deux fois le même truc. Et pour les Pics d'Or, là, tu avais déjà prévu tes chansons avant, ou est-ce que c'est vrai que juste avant, tu ne savais pas ce que tu allais faire? Ah ouais, bah effectivement, ils vous ont dit ça. Ouais, ouais. Mais je sais tout, je sais tout. Ouais, ouais, bah carrément, bah c'est en balance, en fait. Là, cet après-midi, on a fait des balances et
Du coup, j'ai hésité, j'ai joué 3-4 chansons, je me suis dit, bon, bah ça, je sais pas, je me tâtais un peu, quoi. C'est difficile d'en sortir que deux ou que une, quoi, de ton set, parce que tu sais pas laquelle. Mais ça peut être aussi intéressant parce que ça permet de s'adapter avec vraiment l'ambiance du moment et de dire, bon, là, je sens celle-là vraiment au moment T, donc j'y vais. Ouais, faut un minimum anticiper parce que tu vois, par exemple, je les ai calés cet après-midi pour le soir, mais effectivement, ce soir, j'aurais peut-être changé la liste, j'aurais peut-être fait un autre truc. Mais tu peux pas parce que pour les lumières et tout, pour tous les gens qui bossent à la technique, qui font d'ailleurs un super boulot, quoi, vraiment hyper sympa. Il y a plusieurs artistes là que j'ai eu en interview qui ont souligné le travail et merci parce que voilà. Ouais, ils sont adorables. Ça suffit maintenant, tais-toi. Alors, je sens que tu es le client parfait, donc maintenant j'ai une interview d'N'importe Nawak à te proposer. J'en ai deux. Le premier, c'est un je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Est-ce que tu es prêt? Ah, mais faut pas rigoler? Non. Tu es prêt? Moi, je te défonce, ça, c'est un peu. C'est vrai? Ouais. Ça risque de durer longtemps alors. Par contre, je te décroche la tête, quoi. Non. C'est parti. J'ai encore des interviews à préférer. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Attends, deux secondes. Le premier de nous deux. Attends, deux secondes, de nous deux, parce qu'il faut me dire le texte, sinon de je. De nous deux qui rira. Ouais, mais je rigole tout. 3, 4. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Mais je vais te tuer. Tu dois pas parler. Ah, j'ai rien le droit de dire. J'étais gentil. Ouais, ouais. Voilà. J'avais. Bon, je te l'ai laissé. J'ai vu. Ouais, alors attention. L'interview, c'est où? Alors tu choisis. Je te donne un exemple. Par exemple, c'est Brel ou Aznavour? Ah bah Brel. Enfin, ouais, entre Brel et Aznavour, pour moi, Brel à 1000%, quoi. Ouais. Pourquoi? Pour l'interprétation? Mais pas moi, Brel, c'est mon dieu, quoi. Enfin, vraiment, c'est mon dieu. C'est vraiment, je crois, le mec que j'ai le plus écouté. Et puis, pour. En fait, il est exactement ce que j'aurais aimé être, presque, tu vois. C'est très. Je me suis beaucoup renseigné sur l'homme aussi, parce que je suis très, très fan de ce mec-là. Et en fait, plus je découvrais des trucs de sa personnalité dans les documentaires ou les trucs comme ça, plus je me disais, putain, c'est dingue, je comprends pourquoi j'aime autant sa musique, c'est qu'en fait, on se ressemble vachement, quoi. Bon, pas sur le côté polygame, mais par contre, il y a tout... Enfin, on ne sait pas. J'ai ouï dire que tu étais très séducteur dans les coulisses, ici, les pigs. Ah bon, qui a dit ça? Parce que je suis... Je ne dirais pas. Justement, on passe à la question suivante. Slip ou caleçon? Slip ou caleçon? Alors là, moi, je mets des boxers, c'est pile au milieu, quoi. Tu voilà, vois. Bah donc, voilà. Facebook ou Twitter? Facebook. 6x9. Oh putain, j'en sais rien. Mais c'est incroyable, il n'y en a pas un. Si, il y en a une. Si, attends, 54. Ouais, joli. McDo ou KFC? McDo, attends, mais t'es fou, toi. Je perds mes fiches. Janis Joplin ou... Non, c'était Patti Smith, encore plus dur. Ah ouais, Patti Smith. Ouais. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà rencontré. Mais non. J'ai eu cette chance, c'était énorme. Enfin, c'était fou. Ouais. C'était au tout début, en fait, j'avais un groupe de rock, moi, avant. Et en 2012, on a décidé d'arrêter le groupe. Et moi, j'ai commencé à jouer tout seul en guitare-voix. Mais vraiment à l'arrache, quoi. Je savais pas ce que j'allais faire. C'était juste pour pas arrêter. Parce que je me suis dit que pour moi, c'était un coup dur que le groupe s'arrête. Et je voulais surtout pas arrêter. Parce que je me suis dit que si t'arrêtes, tu reprends, en fait, peut-être jamais. Ou alors tu prends beaucoup de temps à reprendre. Donc je me suis dit, quand on tombe de cheval, il faut tout de suite remonter. Donc j'ai pris ma guitare et je suis allé faire des concerts tout seul, tout de suite. Et en fait, très vite, genre 2 mois après, c'est très long comme histoire, hein, t'es prêt, t'as un sandwich? Oui, j'ai vu. Ouais. et en fait, quelques mois après que j'ai commencé à jouer tout seul en guitare, voilà, ne t'endors pas, c'est bientôt fini. Et la chute est passionnante. C'est ça que j'attends. Voilà. Et en fait, je suis allé jouer au Printemps de Bourges. Et bon, il y a une rallonge, mais je vais pas te la faire, mais elle est vraiment fabuleuse. Et en fait, j'ai joué au Printemps de Bourges et j'ai eu la chance, du coup, de croiser Patti Smith parce que j'étais sur une scène super cool. Et donc elle était là-bas ce jour-là. D'accord. Et donc on a bu des coups. Enfin, j'ai bu des coups juste à côté d'elle. J'allais dire ensemble, mais pas du tout. Je la regardais comme ça, j'en pouvais plus, mais elle était juste à côté. Elle était là comme ça, quoi. D'accord. Tu vois, sauf qu'elle ça fait un peu le même effet avec moi. Ça me fait un peu pareil. Je comprends. Sauf qu'on boit pas des coups. Alors attends, j'en ai une petite dernière, mais comme mes fiches se sont toutes mélangées. Ah voilà, thé ou café? Ah, moi j'adore les deux, quoi. Vraiment les deux. Ouais, les deux. Vraiment, je bois les deux souvent, beaucoup, quoi. Plutôt thé quand même, je dirais. D'accord. New York ou Los Angeles? New York. C'est énorme, New York, quand même, franchement. Après, Los Angeles, c'est la classe aussi, tu vois. Puis pour tout ce qui est cinéma et tout, bon, voilà. Mais bon, mais New York, putain, j'aimerais trop moi aller à New York. Et le mot de la fin? Le mot de la fin? Le mot de la fin... Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'un mot, ça va être difficile pour toi. Ah, il en faut un? Ah ouais. Eh ben, amour. Magnifique. Merci beaucoup et bonne chance, on attend le verdict du jury. Merci beaucoup. Merci à vous.